même si je ne suis pas ici, c'est une équipe qui travaille super bien. Même si je ne suis pas là, mon numéro, ça passe partout. Parce que dans notre époque, ce n'était pas comme ça, c'est que je crois. Et ce que j'ai déploré, c'est toujours la même situation que j'ai. La fondation, je veux faire, comme je vous ai dit, je vous ai promis, la différence entre maintenant, même après, quand vous venez à la classe, tout est bien. Vous bénéficiez de même éducation et de même. Mokili mobimba boyo kansango malamu oyo eye eye moto nanga nini yo nini yango lisusu yo pe flat hotel hp flat hotel hp eye pona kokokisa ba rêve na bino etongami na ba norme international pona ba séjour na bino na ba vacances na bino boza pepele ebongo pona kolia pe komela flat hotel hp atie na disposition na bino restaurant VIP pona masanga qualité nyonso bokoluka ezali flat hotel hp abakiseli bino lisusu wifi ya ofele lokola kaka na poto ndeko na ngai kote électricité bosana na yo molili po flat hotel hp ateli bino générateur ya tumu pia botuni ngai soki flat hotel hp ezwami wapi flat hotel hp ezwami bongo na commune ya kalamu centre ville na quartier kimbangu avenue makanza numéro 10 Bona ba réservation ya ba chambre. Bobenga na ba numéro oyo. Plus 243. 90 38. 96. 420. Ebongo pona bino ba na poto tobengaka ba professionnel. Bobenga na ba numéro oyo. Plus 33. 60. 53. 84. 625. Hôtel HP et Pesameli Bisso Lokola Bokonzi Alikolo et Pesamela Motonios. Oyo Ezali cadeau signé. Plat Hôtel HP. Vous êtes commerçant, transporteur ou encore livreur? Vous avez besoin de déplacer vos marchandises, vos cargaisons ou vos matériels d'une ville à une autre ou encore d'une province vers Kinshasa et vice-versa? Obstiné SARL met à votre disposition un équipage professionnel et des camions d'une capacité de plus ou moins 40 tonnes. Nous sommes disposés à vous accompagner et vous permettre de disposer des engins efficaces pour tous vos besoins de transport. Obstiné SARL, la solution logistique idéale. Cette émission est offerte par Papy le Roi à la carte illimitée. Allez, viens, 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 viens
Qui connaît son père. Je voudrais vous dire une chose, vous voyez cette toiture, c'est le provisoire parce que c'était le 23 septembre, il y avait une très forte pluie. La toiture s'est enlevée. Nous sommes allés jusqu'à l'hôtel de ville pour le faire, on vient de mettre la toiture juste là. La toiture, vous voyez, c'est provisoire, c'est moi qui ai fait et avant, nous sommes venus avec les tons qui sont venus là pour le mettre ici. Lorsqu'il pleut, vous voyez vraiment, il y a l'eau qui sort. Parce qu'un jour, si je ramène mes enfants ici, ils verront ce que leur papa était. Ça, c'est une histoire que je suis en train de faire. En tant que la fondation qui est là avec toute l'appui de la jeunesse qui est, moi, c'est que je vous demanderai à vous, parce que je sais que vous n'avez pas encore fait les choses. Vous mettre tous vos états de besoin à papier. Vous faites tous vos états de besoin, comme vous m'avez parlé des choses que vous voulez, avec les devis à laquelle que vous voulez. On va voir si peut-être on pourra pas avoir 6 locaux. Peut-être on pourrait commencer par 2 locaux. De notre part, la fondation peut prendre même en charge les 2 locaux. Au moins, vous avez au moins quelque chose de commencement. Parce que c'est qu'en tant qu'une fondation, j'ai une équipe qui est là, tous ces membres du comité. M'appeler, même si je suis pas ici, c'est une équipe qui travaille super bien. Même si je suis pas là, mon numéro ça passe partout. Mon numéro ça passe partout. Si vous m'avez pas eu au téléphone,
Mais bon, elle, nous sommes vraiment en contact avec elle. Oui, oui. Parce que c'est une ancienne élève. Oui, oui, bon, vous allez être en contact avec elle. Dès que vous avez tous les rapports, dès que vous avez tous les devis qu'on vous a donné, nous-mêmes, on va voir après. Même si je ne suis pas là, c'est elle qui travaille. Même si je suis de loin, c'est elle qui travaille. Merci d'avance. Oui, oui, pour moi, je suis vraiment fier. C'est ici nous-mêmes. Oui. Si nous-mêmes, nous ne nous les construisons pas, ce n'est pas l'homme blanc qui viendra construire. Personne. Mais ce que moi, je voulais demander, c'est ça. En tant qu'enfant, en tant que fils, vous me faites un devis avec tous les états de besoin que vous vouliez. Vous écrivez ça vraiment bien. Oui, on va le faire. Vous le faites vraiment bien avant mon départ. Si ça sera que je suis ici encore avant le départ, je me mettrai bien à mon propre. Si vous me donnez 4 jours, dans 4 jours, vous verrez. Dans 4 jours, attends, aujourd'hui, on est quel jour aussi? Vendredi, au plus tard, mardi. On est quel jour? Au plus tard, mardi. Mardi, ça va. Mardi aussi, c'est bien, ça tombe bien parce que mardi aussi, j'ai un ancien ici, je vais venir aussi pour le moment de mon discours. Ça me fera plaisir que je prends ça. Dès que je le prends, je vais voir avec quoi on va penser. Nous, notre rapport, parce que moi, si je donne, sachez-le que non, quand je retournerai, même si vous n'êtes pas là, je demanderai c'est où mes locaux. Oui, oui, ça, non, vous allez les trouver, d'ailleurs c'est en priorité. Oui, oui. Je vous dis que si je vous fais entrer ici, vous verrez tout un tas de liens sur les 4 options. Vous voulez que vous en fassiez plus? Oui, oui. Vous asseoir s'il vous plaît. Je me présente. Je suis monsieur Yankouba Eliezer Josué. Je suis l'un aussi des anciens élèves du code Baoumbou. Parce que dans notre époque, c'était pas comme ça, c'est que je vois. Et ce que j'ai déploré, c'est toujours la même situation que j'ai laissé. Parce que nous aussi, dans notre époque, c'était un peu comme ça. Mais maintenant, là, je vois l'évolution. C'est ça que j'ai dit, félicitations au préfet. J'ai parlé avec le préfet, il m'a déjà donné tous les états. En tant que votre frère, en tant que votre camarade, en tant que votre grand frère, ce que moi je ferai, ça sera bien pour vous. Si vous me voyez aujourd'hui, je suis comme ça, c'est grâce à cette école. Je n'ai pas beaucoup à donner. C'est vous que vous êtes là. Soyez fort, c'est votre avenir que vous êtes en train de préparer. Si aujourd'hui vous préparez ça, un jour on sera là pour vous. Il ne faut pas avoir peur de ce que vous êtes. Vous êtes l'avenir de demain du pays. Moi, ce que je peux vous demander, vous voyez aujourd'hui, il y a des autres, j'ai déjà entendu quelqu'un a dit waouh, j'ai été ici. J'ai été ici, j'ai été aussi élève d'ici. Donc nous, c'était ici. Quand on finissait ici, on allait ici pour faire le sport. Donc ici, c'est notre quartier et ici, c'est pour nous. Vous voyez, toute l'équipe qui sont là, ils feront de bon mieux pour que vous m'avancez. Ça, c'est l'image de la jeunesse que moi, j'ai besoin de ça ici. Je vais faire le tour des classes pour voir et pour visiter. Je dis au monsieur le directeur, si on ne fait pas 10, on fera en sorte qu'il y en ait même un ou deux pour vous. Parce que je vous aime beaucoup. Quand je vous ai regardé, la majorité qui sont ici, ça m'a fait mal de vous voir ce que j'ai vu. Bien, je vous promets. Je parle avec le préfet, on m'a montré tout, je l'ai pris note. Ce que je ferai pour vous, je disais seulement gloire à Dieu et Dieu te bénisse. Vous comprenez? Faire en sorte que tout ça se passe bien. Je parle avec le préfet, il m'a montré tout ce que vous voulez, il m'a dit ce que vous voulez. Bien, en tant que fondation libique qui on est ici avec vous aujourd'hui, c'est moi-même les libiques. Quand je dis libique, c'est quoi pour vous? Libique, c'est quoi? 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 La guérison. La guérison. La guérison. Vous comprenez? Parce que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est quoi? Camarade, en tant que votre aîné, je vais faire le bon mieux de ce que je sais. Pour vous. Parce que ça me fait mal. Mais ce que je vous promets, je ne fais pas des aventures. Si je me battrai, je me battrai pour vous. Si je ferai quelque chose, je ferai quelque chose pour vous. Parce que je sais comment la souffrance est. Avec ces chaleurs, avec cet état, vous venez. Il ne faut pas négliger. C'est l'avenir, ce que vous construisez. Donc, si vous voulez être grand quelqu'un,
Bita prépare ça aujourd'hui. Nous, on a préparé ça. Moi, si j'étais assis comme ça dans la table, je te dis, élève d'ici. Je ne sais pas pourquoi vous dites. Moi, je vais pas. Ça va aller. Vous comprenez? Néglige rien. Et je Dieu va nous donner. C'est ça la situation. Vous comprenez? Il ne faut pas se fatiguer. Vous n'avez rien, je sais la situation. Mais hein? Dieu va vous bénir. Et si je vous fais quelque chose aujourd'hui, dis seulement que Dieu bénisse Papa Eliezer. Que Dieu bénisse M. Makouba Eliezer. Excusez-moi. Vous comprenez? Quand vous allez venir ici à l'école, si vous voyez quelque chose, vous dites seulement prière à Dieu. Que Dieu me bénisse pour que je passe. Parce que vous savez comment la situation est. Mais je fais l'effort de venir juste pour vous. Donc, soyez forts les gars. Et vraiment fier de vous. Et je suis fier de vous aussi comme vous. Vraiment merci beaucoup. Il est là. Parce qu'il a étudié. Et il vous parle là. Qu'il va faire quelque chose. Parce qu'il a étudié. Et vous aussi, si vous étudiez, vous terminez, vous pouvez aussi un jour faire quelque chose pour cette école. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je vous invite, vous savez, à sa place. Mettez-vous assis. Merci. Alors, pour la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Monsieur Makouba Eliezer Josué. Je suis le président de la Fondation Libye. Comme vous le voyez ici, c'est grâce à cette école que j'ai eu la base de ce que je suis aujourd'hui. Et bien, ce que je peux vous dire, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Si c'est seulement à vous dire, c'est que préparez-vous bien l'avenir. Parce que c'est vous qui vous êtes l'avenir de demain. La majorité de vous, ils ne sont pas ici. Peut-être qu'ils sont allés faire quelque chose que vous ne savez pas. Mais Dieu vous a fait grâce que vous venez ici. J'ai parlé avec le monsieur le préfet. Il va me faire tout ce que je peux. En tant que fondation biblique, parce que cette école, c'est un patrimoine de Massina. Vous savez, c'est vraiment une école que nous a beaucoup fait pour nous, surtout nous. Vous comprenez? Donc si je suis venu, c'est pour vous. Le peu que Dieu va nous donner, on mettra à vous. Vous comprenez? Il ne faut jamais baisser les bras, vous êtes en 5e, bientôt vous serez en 6e, c'est ça? Ça reste qu'une année pour finir. Vous comprenez? Donc il faut bien préparer l'avenir parce que l'avenir c'est vous. Et je compte à vous. Je sais que le moment il est trop dur pour vous, mais je sais que ça va aller. Vous comprenez? Oui. Je dois parler avec le professeur et ça va bien aller. Je vous dis bon courage à vous. Okay? Merci. Merci beaucoup. Si je fais ça, oui. C'est pour les montrer que, regarde comment les enfants sont là. Pour étudier, pour préparer leur avenir. Ça, je ne peux pas se faire plus. Et c'est avec ça que je suis venu ici. Pour aller voir des choses comme ça. Je ne plus dans ma cambaboule. Parce que c'est la jeunesse. Et c'est que moi, en tant que fondation, je veux faire. Comme je vous ai dit, je vous ai promis, on fera ça maintenant. Même après, quand vous venez à la classe, tout est bien. Vous bénéficiez de même éducation et de même point de vue que nous autres. Parce que je sais que peut-être parmi toi, tu seras en train de faire un député, on ne sait jamais. Mais ne baissez jamais le bras. Vous venez. Ne baissez jamais le bras. Sans courage entre vous. Je sais que ça va aller. Vous comprenez? C'est difficile. Vu la situation, mais je vais montrer ce que vous faites. Et vous allez voir ce que ça va faire. Ok? Vraiment bonne chance à vous. Il y a à manger. Ça, c'est pour le personnel. Et la télé là-bas, c'est pour les élèves. Mais les garçons, voilà, ils passent par ici, ils montent sur les morceaux de briques pour atteindre l'autre côté là-bas, qui est un peu caché. Mais les filles entrent ici. Donc, même là, on a écrit les garçons, on a écrit seulement. Mais les garçons, c'est toujours là-bas. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. Voilà, les toilettes de l'Institut.
avec toute mon équipe. Comme on est venu causer, ça sent pour sa mère. Ils sont venus visiter seulement. Le pays, il est ailleurs, il est à l'étranger. Il revient pour voir les frères et sœurs, mais il songe aussi à venir visiter son ami. Fongola. Comme on est présent. Moi,